Salut tout le monde, c'est Rookie. Petite vidéo très très rapide, au cas où si vous ne le saviez pas, mais également encore un bug de camouflage. Cette fois-ci, c'est pour les fusils tactiques et notamment pour le dernier des camouflages classiques où il vous faut faire 15 doubles éliminations. 15 fois 2 éliminations sans mourir. Enfin, c'est pas 15 doubles éliminations, mais c'est 15 fois 2 éliminations sans mourir. Bien évidemment, c'est buggé, vous pouvez mourir entre-temps. Donc grosso modo, le 15 fois 2 éliminations, ça fait 30 éliminations, peu importe le nombre de fois où vous mourrez, peu importe votre ratio, peu importe si c'est l'étrange de 2 éliminations sans mourir, ça comptera quand même. Alors là, j'en ai 14 sur 15, donc là, je vais juste vous montrer que je vais faire 2 éliminations, et je vais faire en sorte de mourir entre les 2 éliminations, pour vous montrer que du coup, c'est buggé. Voilà, donc comme vous avez vu dans le gameplay, j'ai fait en sorte dès le début de game de faire deux éliminations en mourant entre les deux pour vous montrer que le 15 fois deux éliminations sans mourir est buggé, puisqu'en fait c'est juste 15 fois deux éliminations, puisque je suis bien mort entre les deux éliminations. Donc en fait ça revient juste à faire 30 kills. Et ça, il faut savoir que c'est un bug pour tous les camouflages avec des éliminations multiples. Notamment pour les fusils d'assaut, par exemple, avec les 10 fois 3 éliminations avec un seul chargeur, donc sous-entendu sans mourir, ce genre de choses. Bon, faut savoir que ce camouflage, dès le début, il était tellement buggé qu'on pouvait même le faire en partie privée. Donc j'ai essayé de le faire en partie privée, ça ne marche plus, c'est buggé. Ceci dit, en partie publique, c'est toujours buggé, hein. Il n'y a pas. En fait, vous. Faut lire juste faites 15 fois 2 éliminations, autrement dit faites 30 éliminations, peu importe le nombre de fois avec lequel vous mourrez. Voilà, donc ça simplifie énormément le camouflage, notamment pour des armes comme les fusils tactiques ou sur Tippmann, c'est pas forcément les armes les plus faciles à jouer, mais par contre du coup s'il faut juste faire des kills, bah là c'est cadeau. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé cette petite astuce et je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde.